Bonjour, certains l'auront compris, aujourd'hui je vous emmène en Pologne sans quitter Lens. Je suis à la maison syndicale des mineurs où je vais rencontrer Henri Budzinski qui nous expliquera pourquoi, ici, on dit qu'on est en petite Pologne. Et puis ensuite, j'irai déjeuner avec Violetta où nous parlerons cuisine polonaise. J'ai déjà hâte. On y va ? Budzinski ou Venagel, 27e prise. Dzień dobry. Bonjour. Bonjour Florence. Henri. Ça va ? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bon, je voudrais que tu m'expliques pourquoi on dit qu'ici, c'est la petite Pologne. Alors dans la région, dans le bassin minier, c'est la petite Pologne parce qu'il y avait une arrivée massive dès 1919-1920 dans le bassin minier pour reconstruire les mines de charbon, les dénoyer et relancer l'économie française. Donc la France a fait appel à la main-d'œuvre polonaise suite à un accord signé à Varsovie le 3 septembre 1919. Ça fait 100 ans. 100 ans, oui, ça fait 100 ans. Ce qui a provoqué ici l'arrivée d'environ 300 000 Polonais en moins de 10 ans. Donc les gens vivaient en communauté, rassemblés, avec des us et coutumes polonais. Ils sont arrivés en famille avec... Alors pas toujours en famille, les familles se sont regroupées, effectivement. Certains sont arrivés en famille, mais en tout cas, ils parlaient polonais, ils avaient des habitudes alimentaires polonaises, une vie sociale polonaise, une école polonaise, donc ça faisait des petites Pologne dans les cités des mines. Voilà. D'accord. Alors ici, on est à la maison syndicale. Ouais. Pourquoi c'est un lieu aussi important pour l'histoire de ces Polonais arrivés à Lens ? Il y a 4 monuments historiques à Lens. La gare, la maison syndicale, la faculté Jean Perrin et l'église polonaise Millennium. Les 4 monuments sont liés à l'histoire polonaise. La gare de Lens, ils sont arrivés à Lens. Ils sont repartis de la gare de Lens pour la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs polonais de Lens ont été parqués place du Cantin et ensuite amenés à la gare de Lens pour être déportés à Malines et Gaza à Auschwitz. La maison syndicale, ben parce que l'un de ces Polonais qui n'était pas polonais à sa naissance, qui était autrichien, Thomas Olszanski, dont on a toute l'histoire ici derrière nous, a milité en haut de ce balcon en aidant les Polonais, puisqu'ils étaient venus avant la Première Guerre mondiale, en leur disant « Moi, je sais parler français, je vais vous aider. » Et ce monsieur a été chassé, expulsé, dénaturalisé dans les années 30 par un gouvernement d'extrême droite en France parce qu'il dérangeait le bon fonctionnement des compagnies privées. Donc c'est un des modules de cette exposition. D'accord. Donc c'est également un monument historique marqué par la présence polonaise. Comme les 3 autres. Comme les 3 autres. Alors l'église du Millénium, évidemment, vous avez compris, c'est une église polonaise construite en 1966-1967 pour le millénaire de l'église catholique polonaise en 966. Donc voilà, c'est un symbole très fort, avec des vitraux qui racontent l'histoire millénaire polonaise de 966 à 1966. Et l'État français l'a classé monument historique, ce qui est une première d'avoir une église, un bâtiment payé par des émigrés à 100% classé par la République française. Donc voilà, c'est très symbolique, c'est Lens. C'est une belle histoire, c'est passionnant. Moi, je dois aller manger maintenant avec Violetta. Eh ben, allez-y, bon appétit. Vous allez manger chez grand-mère ? Oui, c'est ça. C'est babcia. C'est babcia. Eh ben, bon appétit. Do widzenia. Do widzenia. Au revoir. Sześniczki siedzą jak anioł dzieweczki. Przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć wrzeciono, widź się tobie widź. Ta pamięta lepiej, czy ja dłuższa nić. Dzień dobry, Violetta. Dzień dobry, Florence. Merci d'être venue. Ben, ça va. Je suis super contente de manger avec toi, comme chez Babcia, comme chez Mémé. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Boucha ou Boucha. Boucha ou Babcia. Voilà. Alors aujourd'hui, on va goûter à la cuisine polonaise. Toi, tu connais déjà parce que tu fais la cuisine déjà. Je cuisine à la maison, pour mes enfants, les amis. Et même quelquefois pour 1500 personnes. Bon, là, je n'ai pas cuisiné vraiment, mais bon, non. J'ai participé à cette organisation. Ouais. Mais on fait aussi des cours de cuisine polonaise. Oui, des cours de cuisine. Voilà. Moi, tu vas pouvoir m'expliquer tout ce que je vais manger avec toi. D'accord, avec plaisir. Ogórkowa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę pani. Dziękuję. Bardzo czerwone. Oh, avec quoi? Oh, ça sent bon. Avec. C'est quoi?
C'est avec pommes de terre. Normalement, en Pologne, souvent, ça dépend de quelle région. Mais il y a des régions que pommes de terre y est mis à côté. Ah, oui. Et on prend un morceau de pommes de terre et on trempe dans la soupe. Et toi, t'as quoi? Et moi, j'ai la soupe ogurkowa. C'est la soupe au cornichon. En fait, chaque soupe en Pologne, tu as toujours un légume qui est mis en valeur. Ici, c'est des cornichons quichonnés, hein, au sel. Toi, c'est plus, toi, tu as betterave qui est mis en air. Après, il y en a toutes sortes de soupes en Pologne avec des légumes comme calafiorova, c'est chou-fleur qui... Ah, voilà, chou-fleur. Tu vois, il y a chou-fleur qui... Il y a plus de chou-fleur que... Oui, c'est après, le principe. Il voilà. Y a toujours un légume principal. Il y a un légume principal, hein. Bon, on goûte et après on échange. Parce que ça, et après on échange, ça, parce que moi, je veux bien goûter la soupe. Voilà, avec plaisir. Super. Allez, ah, comment on dit ça? Je vais apprendre. Smachnego. Ah, bah c'est bien. Florence, t'as vraiment une bonne oreille. Ah, tu vois. Alors, on va goûter. Ça, en fait, c'est comme moi que je fais. Tu vois, oui. Dans ogurkowa, il y a des... On râpe... Ah, il y a des légumes. Voilà. Ah, du coup, c'est et moi, je fais pareil. Je râpe les cornichons et des carottes. Et les pommes de terre, je mets aussi en dés comme d'accord. Ça. Bon, allez. Allez. Goûte. Allez. Oh, oula. Qui n'a pas de rôle à dom. Klouski n'a pas j'ai. Ça c'est. Dziękuję. Dziękuję. Je vais en bois qui tient la viande. Ah, ça se mange pas. C'est mieux de le dire. Merci. Ça va le dire maintenant. Dziękuję et smacz nego. Rolade, souvent, c'est à la maison, on tourne des ficelles. Là, tu as de la chance, tu as un pic qui te retire. C'est plus facile. Ça, c'est des pommes de terre. Non, ça c'est les klouski napagé, c'est la farine avec, des gènes d'herbe, des œufs et de l'eau et des levures fraîches. Ah, ça fait comme une pâte en fait. Tu fais la pâte et après tu fais cuire ça sur vapeur. D'accord, et dedans il y a quelque chose? Non. Ah, c'est que le truc. Oui, parce qu'il faut bien saucer. Ça, il faut très bien saucer parce que sinon c'est sec. Alors, et moi, j'en ai kopytka. Kopytka en Pologne, mais ici, ça se dit souvent chagówki. Chagówki. C'est, voilà, c'est kopytka normalement. Et là, c'est sandacz. Cendre. C'est cendre, c'est le poisson qui est très connu, qu'on mange souvent en Pologne. Ça, c'est kapusta kiszona. C'est du chou. Mais chou, mais en salade. Elle n'est pas. C'est cru, mais il y a beaucoup, beaucoup de vitamines. Oh, c'est pour ça que tu as la pêche. Voilà. Tu pourrais goûter aussi dans ton truc. Oui, tu pourras goûter aussi. Tu me diras. On verra bien les bon. Smacznego. Smacznego Florence. Ah. Allez. Allez. C'est pommes de terre, des œufs et la farine. Oh. Il te cuit ça dans l'eau. C'est bien, c'est léger, hein. C'est bon. C'est bon. Bah, moi, c'est très bon. Les couscous sont très légères. Ah. Oui. Ah oui, c'est comme une pâte de pain, mais c'est ça. Hein. C'est pas de pain, mais c'est bon. Merci. Dziękuję. Dziękuję. On est gâté, vraiment, on est gâté avec des. Ah, ça, on partage. Alors, vous avez aujourd'hui makowiec au pavot, le makowiec. Oui. Plechniak à la myrtille. Cernik au fromage blanc. Et babeczka. Dziękuję. Proszę bardzo. Alors. Plechniak, c'est une sorte de gâteau qui s'est servi aux fruits. Là, c'est myrtille, mais c'est les plus confiture de myrtille. Et on fait après les blancs de neige qu'on bat. Bon, on attaque? On attaque. Allez, et après, on se quitte là-dessus, hein, parce que là, après, on va aller faire une petite sieste, je crois. Bon, allez, on goûte quoi d'abord? Cernik. Bah ouais, gâteau fromage blanc. Toi, tu voulais ça. Allez, tu voulais bien voir. Je tourne. Laisse-moi pas finir toute seule. Non, mais je mange. Ah, moi. Je vois que t'es vraiment ma coach. Hein. Oui, j'adore le pavot. Mais il faut goûter Cernik. Oui, j'arrive. Bon, les acides sont un peu petits. Hein. On arrive. On va t'acheter après. On a acheté avec la. On va donner à Florence. Regarde. C'est vraiment artisanal ici. Elle a même pas les vlaklaps. Nous, on a plat qu'on utilise même pas pour Stanis. Je parlais pas mon français. Quand j'arrivais, ils disaient j'arrive à Koulou. À quoi? Koulou. Pourquoi Koulou? Koulou, c'est Ulu.